Bonjour, bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le 60e épisode d'Afterbirth. Dans l'épisode précédent, on a fait une partie en green mode avec Maggie, et on s'est plutôt bien débrouillé, même si on a eu que des Angel Rooms de toute la partie, et très peu de damage up, mais heureusement on est tombé sur Guppy Spa, qui nous a pas mal aidé, hein. Ça nous a permis d'avoir limite des cœurs illimités pour Ultra Grid, ce qui était bien pratique. Et aujourd'hui, on va tenter le challenge 29, Onan Strike. C'est parti. Bon. Maintenant que je sais comment le challenge fonctionne, hein, ça devrait déjà être mieux, même si il est quand même galère. Hein. On est avec Judas, donc très peu de vie. Et je vais éviter de charger mes tirs dès le début. Bon, c'est mieux. Ça peut être intéressant tout ça. Hein. Alors, réfléchissons. Est-ce que ce machin... Déjà, est-ce que... Il me semble que je peux pas tirer avec Unicorn Stump. Essayons. Non, je ne peux pas tirer avec Unicorn Stump et ça ne me fait pas de dégâts aux ennemis. Mais... Si on chope un Cube of Meat ou un truc dans le genre, ça peut être extrêmement génial. Du coup, je pense qu'on va rester avec ça. Ouais. Avoir un Cube of Meat ou un Sacrificial Dagger, quelque chose comme ça, ce serait... Mais parfait avec ce challenge, quoi. Enfin, et avec ce... Avec Unicorn Stem. Donc bon. Mumps Dive, bien sûr. Ce serait limite du GG. Donc bon, c'est un bon début. Après, évidemment, faut faire gaffe à ne pas louper les ennemis, sinon on se prend des dégâts. Donc voilà. Bon. Je vais quand même prendre cette clé. Ce serait bien d'avoir une bombe pour pouvoir choper le Latin Tedrock qui peut potentiellement contenir un cœur d'argent, bien sûr. Bon, pour l'instant, Unicorn Stump, pas tellement utile. Vu qu'on n'a rien pour... pour nous... protéger, vraiment. Non. Je me dis, je préfère éviter. Je vais m'éloigner un petit peu. Attention. Voilà. C'est pas mal quand même ça. Utiliser Unicorn Stump dans une situation un peu dangereuse. Ah bon, ça c'était pas terrible par contre. Oh, doucement, sa clé. Mouches noires ne nous font rien. N'oublions pas ce petit détail qui peut être extrêmement utile. Hein. Bon, par contre on s'est fait toucher, ce qui n'est pas génial. Faut pas louper. Je vais prendre un petit peu de temps pour casser les flammes. Ça peut potentiellement contenir un demi-cœur d'argent, ce qui nous serait crucial. Je pourrais choper les flammes du haut, mais allez, c'est chaud ça quand même. Wow, doucement. Ah, merde. Bon, c'est dommage, hein, on avait une bonne opportunité, mais bon. L'île chest, je sais pas du tout ce qu'il fait, je l'ai eu qu'une seule fois. Je sais pas si ça me donne des items ou un truc comme ça. Ah, en tout cas, ça m'a donné 5 pièces, ça c'est plutôt cool. Si je chope une clé, je peux potentiellement acheter un cœur d'argent dans le shop. Ce qui est génial, bon. On y est. Je sais pas si c'est une bonne idée de charger nos tirs. C'est peut-être mieux parce que bon, s'il y a des ennemis qu'on peut tuer plus rapidement, c'est pas mal. Après, évidemment, faire attention à cela. Wow. Faire gaffe. Ne surtout pas louper. Surtout ne pas louper. Voilà. Avec les araignées, suffit de les attirer et ça passe. Ouh, c'était limite ça par contre. Bon. Toujours pas de clé encore. Je préfère aller par là. Hop. Ça va. Nice. Batterie, why not? Mais c'est pas ce qu'il nous faut. Une bombe encore serait très utile. Bon, ceux-là, ils sont pas trop durs à louper. Normalement, attention à leur tir quand même. Attention. Nice. Une clé et une autre batterie. Non. Pour l'instant, pas très utile, mais on sait jamais. Hein. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Bref, tentons le shop. Cœur d'argent, nice. C'est bon ça. Deux vies limite, enfin, pouvoir nous faire toucher. C'est plutôt cool dans ce challenge, donc bon. Enfin, bref, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas vraiment de moyen de choper ces bombes. Attention aux explosions de ces ennemis. Ah mince. Ah. Fallait que ça arrive, notre premier... Dommage à cause du principe du challenge. Hein.
Bien évidemment, je peux utiliser Book of Belial, j'ai des batteries qui traînent, donc non, n'hésitons pas. N'hésitons pas. Widow, ça devrait aller. C'est vrai qu'on fait pas mal de dégâts hein, avec Book of Belial. C'est assez monstrueux. Bon, toi, me troll pas, s'il te plaît. Merci. J'aurais pas dû charger mon truc. Alors, une pilule. Oh, c'était un speed up. Non, marrant. Marrant. Wow. Qu'est-ce que je veux? Ah mince, c'est vrai que j'ai pas de bombe. Est-ce que je peux en acheter une? Franchement, si j'ai l'occasion. Nope, dommage. Non, je vais me débarrasser de ça. Voilà. C'est dommage. Je pourrais acheter une autre clé, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon. Bah du coup, passons au niveau suivant. Hein. Non, je peux pas faire grand-chose avec ça. Allez. Dommage pour la Tinted Rock. Allez, c'est parti. Bon, c'est fait toucher une fois. Donc, faut faire gaffe si on veut essayer d'avoir un Devil Deal, hein, bien sûr. Peut toujours être intéressant. Bon. Curse of the Unknown. On a un cœur rouge et un demi-cœur d'argent. C'est pas trop dur à retenir. C'est clair. Toujours pas trop ce que fait Little Chest, mais... Enfin, Little Chest. Plein de cœurs rouges. Pour l'instant, c'est inutile. Je voulais pas vraiment faire cette salle. Ah ouais, ça va être casse-couille, ça, par contre. Ça risque d'être très vite casse-couille. Comme sale, mais bon. Ah là là. Bon, ça va, on a réussi à... Hop, nice. Oula, c'était risqué. Normalement, ces mouches sont assez simples à gérer, mais bon. Une rune. Algise. Waouh, ça peut être génial, ça. N'oublions pas qu'on peut tirer en utilisant Algise. Et... Bon, ça m'étonnerait que ça me bouffe la vie lorsque j'ai Algise. Après, rien n'est moins sûr. Peut-être que même si... Wow, même pas vu la pilule. Peut-être que même si on a Algise, on se prend quand même des dégâts en tirant. Ça me paraît bizarre, mais... Ah, nice, j'ai une clé. Ah, pas de cœur d'argent. Mais, le Steam Cell. La Steam Cell qui... Si on arrive à choper plus de pièces, peut être génial. Bon. Ah bah, ils sautent pas, ceux-là. Je sais jamais lesquels sautent. Attention aux petites poupes. Wow. Doucement. Nice. Parfait. Exactement le nombre de pièces pour avoir notre Steam Cell. Bon. C'est pas un truc de fou non plus. Mais ça nous permettra d'avoir tous les futurs shops pour cette scène, ce qui est pas mal. Le converteur... Non. Ça peut être sympa, mais bon, ça ira. On n'a toujours pas trouvé le Time Room, hein. N'oublions pas qu'on en a dans ce challenge, donc bien sûr, n'hésitons pas à continuer. Ah, Sacrifice Room, ça peut être sympa aussi, maintenant qu'on sait ce que ça fait, mais bon. Hop. Ah, mais genre, déteste ces troll bombes. Du coup, je crois qu'on a perdu notre cœur d'argent. On a toujours notre 100% de Devil Deal. Wow, hey, the soul. Je crois que ça me file plein de cœur d'argent, ça. Ce qui est plutôt génial. Donc ça, ouais, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Bah, j'ai une bombe. Je pourrais tenter d'ouvrir ce coffre. Et pourquoi pas. Il est maintenant 20h. Merci, Canadien. Wow, j'ai failli me faire toucher de façon stupide. Ah, genre! Non! C'est arrivé. Double monstro! N'oublions pas, Book of Belial. Ah, connard! Ah non, mais non! Sérieusement! J'ai le sol et bon, on voit bien que ça m'a filé les cœurs d'argent, hein, sinon j'aurais perdu mes chances d'avoir un Devil Deal depuis longtemps. Ah, vous êtes coriaces quand même, les mecs! Bon! Ça va, je t'ai eu. Bon, faire toucher deux fois, c'était pas terrible. Mais bon, c'est pas par les ennemis, c'est par le challenge lui-même. Et encore un truc qui nous file des cœurs d'argent, c'est plutôt cool. On a de la chance avec les cœurs d'argent. Et c'est bon tout ça. Par contre, je sais plus, ouais, j'ai qu'un seul cœur. Est-ce que j'ai envie d'en prendre les deux? Parce que Guppy, sachant qu'on peut tirer qu'une fois, c'est peut-être pas idéal. Ça peut être fun, mais bon. Je vais prendre The Mark. Et on va... J'ai encore un cœur rouge. Bah d'où il sort? Oh! Tiens. Nous sommes confrontés à un nouveau bug. Sur lequel... dont j'ai entendu parler sur le Reddit. Donc ouais, depuis la dernière mise à jour, parfois, ou peut-être même tout le temps, je ne pourrais confirmer. Les deals avec Satan ne deviennent plus forcément des... deals avec des cœurs d'argent lorsqu'on perd tous nos cœurs rouges. À mon avis, c'est un bug. Mais ouais, j'en ai entendu parler.
Je me disais aussi, attends, c'est pas possible que j'ai de réceptacles, mais bon, voilà. Bref, heureusement que ça nous a pas tués, hein, je saurais plus, non, je sais pas. Là, on a quand même que 5 cœurs d'argent, c'est bien, mais c'est pas... pour être mieux. En tout cas, on a gagné du damage grâce à The Mark, ce qui est plutôt cool. Maintenant, avec Book of Belial, on est encore plus puissant, ce qui est plutôt sympa. Après, bien sûr, faut rester vigilant, mais les 5 cœurs d'argent, c'est vachement cool. C'est clair, on n'a pas à se plaindre. Le jeu a été plutôt sympa avec nous pour l'instant. Après, je sais, j'ai encore pas fait gaffe jusqu'où s'arrête le challenge, il faudrait. Ah, je pense qu'il y a un send qui venait de l'île chest. Ah bah c'est vrai qu'on peut... J'oublie tout le temps qu'on peut voir à chaque fois où se termine le challenge, il se termine à Isaac. Ah ouais, quand même. C'est pas évident, hein. Le red chest, je serais un peu dégoûté s'il y a un objet guppy dedans, mais bon. Voilà, on a fait un choix. Hein. Oh, nice. Je m'attendais pas à ce que la secret room soit vraiment là, mais je me suis dit, ouais, autant tenter. Ah, tiens, je vais essayer de détruire la mouche. Là, genre. Je vais essayer de détruire la mouche au niveau du mec, bon. Ça va me faire toucher. Non. N'empêche, évidemment, faut faire gaffe parce que c'est pas facile, hein, de pas se faire toucher avec tout ça. Il y a pas de coffre ici. Ah, bon, je peux pas l'avoir. Qu'y a-t-il là-dedans? Bon, un seul coffre, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, on a 5 cents, on peut tenter d'avoir un cœur d'argent dans le shop, ou bien sûr, un item, sachant que maintenant, bah... Maintenant qu'on a la Steam Cell, tous les items sont à 7 cents, qui est bien cool. Bon, pas celui-là que je visais, mais heureusement, je l'ai touché. Nice, on a quand même un damage de 10 sans le Book of Belial, ce qui est quand même pas dégueulasse. Hein. Bon, on a trouvé le boss, c'est pas exactement ce que je cherche. Waouh, ouais, il meurt pas en un coup, lui. What? Je peux savoir ce qui m'a touché, là? Je ne sais absolument pas comment je me suis fait toucher, là. Hein. Ouais, c'était très bizarre, bon. Peut-être un tir que je n'ai pas vu, mais... Ce serait bizarre. Bon, enfin, bref. Très étrange. Très, très étrange. Bon, on a toujours trouvé ni le shop, ni l'item room. Il devrait pas être très loin, mais... Attention à ces poux, quoi. Elles sont toujours dangereuses. Bon, moi, on peut les casser en un tir, ce qui est plutôt bien. Restons vigilants. Alors, attention. Attention. Hop. Savoir qu'on peut les détruire en un coup, c'est plutôt une bonne information. On n'a qu'une seule clé, donc est-ce qu'on veut avoir l'item home ou bien le shop? Ouais, je sais pas. Là, tout de suite, j'aimerais bien dire le shop parce qu'on sait jamais ce qu'on peut trouver, quoi. Et sachant qu'on peut choper des items pour cette scène, c'est pas négligeable. Et sinon, un cœur d'argent, c'est pas dégueu non plus. Ah, on a une clé. Le Bloody Penny, bon, pour l'instant, on n'a pas de cœur rouge, mais ça peut potentiellement être génial. Bon, voilà, je fais ça, au moins, c'est réglé. Du coup, autant détruire la flamme. Pas grand-chose d'intéressant. Le ladder peut être utile. Vous savez quoi? Si je chope une pièce de plus, je prendrai le ladder. Sinon, bah non. Et du coup, ça a l'air d'être non. On a pu augmenter un petit peu notre débit de deal tout à l'heure. On va voir ce que ça donne, bien sûr. Allons dans l'item room. Ça me dit quelque chose, ça. Evil Eye. Je sais plus ce que ça fait. Non, bah, je vais tester ça sur la poupe. On peut pas, genre. Ouh. Est-ce que je vais prendre les pilules? En fait, j'ai menti. Je ne prendrai pas la pilule, je vais garder mes 7 cents. J'ai trop peur des pilules à chaque fois. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas l'item qui génère un œil à chaque fois qu'on tue un ennemi et qui tire tout seul. Mais du coup, je me demande, est-ce que si l'œil tire tout seul, je vais pas me prendre des dégâts? J'espère que ça va pas vraiment... J'espère que c'est pas ça, sinon on est dans la merde. Enfin, sinon on a perdu le challenge, quoi. Mais bon. Ah merde, ah bah ça va, j'ai pu le toucher quand même. Wow, doucement. M'attendez pas à ce que ça ne me fasse pas de dégâts lorsqu'il est sous sa forme transparente. Heureusement, bah, ce n'est pas le cas. Bref. Bon. Wow, The Soul vient de... vient de dégager un tir, c'était plutôt cool, c'est assez rare quand même. Bon, on n'a pas eu le Devil Deal, mais c'est bien, on a un cœur rouge. Ça peut être cool d'en avoir, sachant qu'on a le Bloody Penny. Non, enfin... Et aussi pour prendre d'autres débiles deals si nécessaire. Bon, bref. Je ne sais pas ce que fait cet œil.
Ça crée peut-être l'œil quand je me fais toucher, je sais plus exactement. Je sais que je l'ai vu une fois, il me semble, mais ça date un peu. Bon. Du coup, continuons. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, mais bon, ça peut changer n'importe quand, hein. Restons vigilants. Nice, un petit goodie bag. C'est toujours pas le nom officiel de ces trucs, il faudrait que je regarde un de ces jours quand même. Le descend. Le descend, le descend. Ah là là. Le problème c'est que si on est débarrassé de... Ah ouais. Ça m'étonnerait que ça change complètement le fait qu'on puisse se faire, qu'on se fasse toucher lorsqu'on tire sur les murs. Donc si ça ne débarrasse de chocolate milk, ça va vraiment pas être cool quoi. Donc bon, c'est pas une bonne idée. C'est absolument pas une bonne idée. Wow, doucement. Doucement, doucement. Hop là. Un autre goodie bag, justice. Wow, doucement, doucement. Une autre clé. On a toujours notre rune algie, non ? Qui peut être vraiment cool contre Isaac potentiellement, hein. Tiens, parlant d'Isaac, Isaac's Head, je me demande aussi si ça, ça fait... J'ai pas vraiment envie de tester, mais YOLO, hein. Ah non, effectivement. Ah ouais, ça peut être sympa, du coup, ça. Ok, intéressant, nice. On a un truc qui nous permet de faire quelques dégâts, même lorsqu'on tire pas. Ça peut être bien, parfois. Ça peut être intéressant. Attention à eux, ils sont assez... assez record au niveau de leur mouvement. Nice. On n'a toujours pas eu encore ni l'item room, ni le shop. Donc bien évidemment, on retourne en arrière. Bon, j'ai 8 bombes, donc autant chercher la secret room. Bon, elle peut pas être là apparemment. Bien sûr, si je peux éviter les grandes salles. Hein, voilà. Je le ferai. Nice. Une autre clé. Wow. Non mais, arrête de générer des ennemis pour te protéger, toi. Ok, bien, bien, bien. Bon, je vais quand même aller par là, du coup, j'ai pas le choix. Pourquoi je vais utiliser Book of Belial, parce que, bon, il me reste quand même pas mal de salles, j'ai l'impression. Wow, genre, tu t'es pas... Genre, t'as pas été détruit direct. Wow, doucement. Doucement, doucement. Ouais, c'est vrai, je me débrouille plutôt bien, hein. Non, j'ai pas pu enregistrer cet épisode hier soir, donc le dimanche soir, parce que, bon... Comme tous les dimanches récemment, j'ai juste envie de puancer toute la journée, et même le soir, je mange, puis je me recouche, c'est assez abusé. Mais bon, maintenant que j'ai ma formation toute la semaine, le taf de ma nuit de samedi, c'est assez record. Oh, Pretty Fly, c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Ah non, pour l'instant, cette run, nice, quoi. Nice, nice, nice. Vraiment nice. Alors, pas de grid, restock. C'est bon tout ça. Mais c'est quoi, je vais prendre Spider Mode parce que c'est plutôt cool comme item. La Blue Map est tentante également. Pour ça, il me faut plus de thunes par contre. Non, je devrais avoir assez de bombes pour trouver le shop. Il y aura peut-être des thunes dedans. Hein. Oh, attention, par contre, lui, il peut me casser les flammes, ce qui est potentiellement pas cool. Ouais, effectivement. Donc éviter de tirer sur les flammes. Ah, c'est vrai que ça, on voit les ennemis des... On voit les ennemis des vies, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On voit les vies des ennemis, ce qui est assez génial. Toujours adoré ça. Dans le spider mode original. Hein. Toujours pas trouvé l'item room. Et empêche, ouais, ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Il y a moyen que la secret room soit ici. Tantons. Bon, elle est pas là, bon. Elle est pas là. On a 13 bombes, donc nous nous privons pas. Hein. Waouh. C'est vrai que les tourelles aussi ont des vies, c'est bizarre. Bon, je vais attendre que mon truc s'occupe de la poupe. Waouh. Bon. On a 4 clés, donc n'hésitons pas. Wow, un mushroom que je ne connais pas, intéressant. God's Flesh, Shrink Shot. Ça ne me rassure pas. Ah, si, je sais ce que ça fait. Mais je me demande, je pense pas que ça agisse à chaque fois. Ouais, je l'ai peut-être eu une fois, en fait, en y repensant. Ça doit être le tir qui... Ouais, qui a une chance de rapetisser les ennemis. C'est marrant. Alors, du coup, je vois pas du tout où serait la secret room, par contre. Je me demande si elle pour... Non, elle peut pas être là. Bon, ça s'est réglé. Pour être là, mais... Bon, on a 13 bombes, autant chercher. Hein. Bon.
Alors, si elle n'est pas là... Elle est pas ici... Là, peut-être... Jamais... Non... Eh. Micro démangeaison, ça faisait longtemps... Je sais pas si c'est considéré comme une salle spéciale, ça. Si c'est le cas, elle pourrait être là. Bon, notre S-bombe, autant essayer, hein. Trouver... Où elle pourrait bien être, j'ai pas tenté, là, je pense. On va tout essayer, vous savez quoi, je perds toutes mes bombes, je sais, c'est un peu con. Ça se trouve, il n'y a pas de secret room, mais ça paraît bizarre. Là, peut-être. Bon, c'est pas étrange, mais... Non. C'est particulier, hein. Bon, elle peut pas être là. Ici, alors. Enfin, je vois pas où elle serait, autre part. Waouh, non. Je laisse tomber, hein. J'ai peut-être pas que ça à foutre. Bon, là pourrait y avoir la super secrète potentiellement. Et du coup, il y a moyen que la secret room soit juste au-dessus. Je sais pas si c'est possible. Il me semble que dans Rebirth, ce n'est plus possible, mais... Non, du coup, on a plein de monde, bien sûr. Tentons. Putain, si la secret room est là, ce serait bien marrant. Non, dommage. Dommage, ça aurait été cool. Bon, on va pas prendre la poupe d'Agaz. Purity, ça me donne aussi un cœur d'argent. Berkano, c'est cool. Algis, c'était la nôtre, ouais. Et Was, peut-être un Crawl Space? Nope. Une perso rune, c'est très tentant ça. Une Gera aussi, c'est très tentant. Aïe. De nombreux choix s'offrent à nous. Ouais. Ce serait bien d'essayer d'avoir une pièce supplémentaire. C'est peut-être risqué, mais bon. C'est pas ce que je voulais. Ouais, bref. Arrêtez avec ça. Ah, fuck. Voilà, la aide a dit... Là, la aide a fait ce que je redoutais. Bref. Bref. Je sais que c'est un peu con, mais je vais tenter d'avoir... Ah ouais, mais non, je peux pas, il y a pas de pièce ici. Ah, là là. Bon. J'aimerais bien utiliser Perso. Ouais, sur un potentiel Devil Deal déjà. Donc ouais, je pense qu'on va aller avec Perso de toute manière dans le boss. Pourquoi j'ai fait ça? C'est con. Bon, tant pis. Je vais exploser lui, vu que j'ai peut-être de... Enfin, il fera peut-être des pièces. Nice. Et je vais prendre la Blue Map. Tiens, on va peut-être pouvoir voir où est cette saloperie de Secret Room. Elle est là. J'ai hésité à tester ce côté, mais bon. Je me suis dit, mais non, mais ça peut pas être là. Enfin, en plus, c'est juste à côté du boss. Apparemment, si. Non. Ok. Le 1 plus 1 aurait été sympa aussi, mais bon. Bref, maintenant, on aura toutes nos secret rooms, ça c'est cool. Oh, et toi, tu me fais me piler des thunes aussi. Ah, il nous manque un sense pour pouvoir choper le... Pretty Fly, non, ça peut pas être ça. Ok. Ouais, il nous manque un cent pour pouvoir choper Restock. Bon, à moins que le boss nous file... Ah, quoique, la poupe peut-être. La poupe peut potentiellement nous filer une pièce. Eh ben non. Bon, pas perdre plus de temps que ça. N'oublions pas d'aller rechercher. Ouh là, c'est dangereux ça. D'aller rechercher notre Algis Rune. C'est assez crucial, même si une perte trop c'est génial. Hein. Mais bon. C'est vrai qu'on a même deux pertro, il me semble. Je sais plus si j'ai utilisé l'Algis Rune. Ouh là, bon, failli me faire toucher. Ah, The Stain, le boss que tout le monde déteste dans Afterbirth. Hop, nice, joli tir. What? Ah tiens, j'ai eu mon œil bizarre. Ah, oh, fuck. Bon, ça arrive, ça devait arriver. Et nice, on l'a eu. Du coup, Devil Deal. Ça, c'est cool, ça va me filer Black Heart. Évidemment, j'ai des objets Guppy maintenant, hein, vu que maintenant que je peux pas trop les prendre. Eh, hey, ouais, toi, t'es cool, Rotten Baby, décidément. Nos familiers sont vachement utiles. Range up, ouais, why not. Lockdown, c'est pas terrible. Ouais, bon. Je vais retourner, bien sûr, chercher quoi? Est-ce que je prends une Pertro ou une Algis? Deux Algis en plus.
J'aurais dû prendre la poupe pour essayer d'avoir le One Plus One en shootant des poupes. Je sais pas si c'est faisable. Bref, je sais, je perds un peu de temps, mais bon, autant essayer d'optimiser cette run au maximum. Hein. N'oublions pas que c'est pas une run facile. Plutôt une run. Bon, Curse of the Maze, tu fais un peu chier. Non. Enfin, je pense que j'ai shooté toutes les poupes par contre. Je pense pas que ça influence les flammes, mais bon, tant tenter, hein, elles sont là. Elles sont là. Peut toujours arriver. Mais je pense que c'est foutu pour les pièces. Ouais. Bon, oh, rien d'intéressant. Ouais, je l'aurais bien chopé, ça peut être vachement utile. Bon. Pas de poupe ici. Non, mais arrête de me troller, toi, sérieux. Bon, c'est un peu le principe de Curse of the Maze, mais bon. Bon, je pourrais potentiellement choper le... Pff, c'est quoi, tant qu'on y est. Je vais choper le dessin, je vais pas l'utiliser bien sûr. Mince, est-ce que je peux utiliser mon Book of Belial? Je pense pas. Bon, tant pis. Ah, je pourrais reroll. Ouais, j'y ai pas pensé. J'ai complètement zappé le que... Ouais, il y avait un objet à reroll ici. Et du coup, c'est pas mal ça. Du coup, ouais, je vais pouvoir reroll. Et les mouches, bien évidemment, sont vachement cool. En plus, sachant que je suis tout le temps appuyé sur la touche de tir, les mouches apparaissent tout le temps. Ouais, c'est pas mal, hein. On a une combinaison pas mal. Bon, par contre, se faire toucher comme ça, aïe, 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 c'est pas une bonne idée. Et ouais, lui, il est pas vraiment cool, sachant qu'il saute assez souvent. Wow. Reste loin de moi, s'il te plaît. Oh, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Bon, bah, pas de pièces, mais du coup, j'ai un truc à reroll, ce qui est pas mal... Ball of Chain, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, on peut faire des... On peut déjà se protéger de certains tirs, on peut casser des roches. Hein. Ouais, c'est, ça valait le coup. Bon, j'ai perdu pas mal de vie, par contre, ça c'est pas terrible, hein, je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Bon, j'ai plus autre chose à reroll. Ouais, plus autre chose à reroll, donc bon. Oh, stop les trolls, toi. Ah tiens, j'ai oublié de prendre lui. Du coup, ouais, on va garder Algis. Pourquoi ne pas passer au niveau suivant direct, hein. Même si Pertro est cool. Bon, allez. Passons au niveau suivant. Et maintenant, c'est pas mal, hein. On a un petit familier qui tire. On a Rotten Baby et la Ball of Chain qui peut être très intéressante. Voilà, on peut choper ça sans même utiliser deux bombes. Ce qui est pas mal. Bon, faut faire gaffe par contre, mais... Jamais évident, mais bon. Wow, d'où tu sors, toi? Not cool. Not cool, not cool. Bon, nice, du coup, on a tout chopé. Ouh, et Cricket's Head, ça valait tellement le coup, ça. Ça valait tellement le coup, on a boosté notre damage de 6. Donc c'est un damage multiplicateur aussi, si on n'a pas le Magic Mushroom. Pourquoi je fais ça? On sait jamais, Crawl Space, hein, faut toujours arriver. Et du coup, nos mouches vont être beaucoup plus puissantes, et bah, nous aussi, bien sûr. Par extension. Oula, j'ai pas posé ma bombe, genre. Par contre, maintenant, bien sûr, ce qu'il faut faire gaffe, c'est à notre vie. Hein. Notre vie n'est pas terrible. C'est le cas de le dire. Ah, tiens, j'ai un petit, c'est l'autre. J'ai des batteries. Bon. Why not? Why not? Why not? Hop là, attention, ils explosent. Waouh. Oh nice, j'espère un petit Black Heart. Parfait. Ouh, je sais pas où j'ai chopé toutes ces pièces moi. Ah oui, je sais qu'il y avait un dime. Bref. Vu qu'on a restock, ça peut être super cool pour le shop. Ah bah oui. On a eu Grid dans la Secret Room. Ça veut dire qu'il ne sera pas dans le shop. Ouais, c'est bon ça. On va avoir plein d'items dans le shop. Et on peut même potentiellement acheter plein de cœurs d'argent s'il y en a. Eh oui, parce qu'ils viendront à l'infini. Ça c'est plutôt génial. Ok, on a des bons. On a un bon potentiel vraiment dans cette run. Vraiment un très bon potentiel. Par contre, rester appuyé sur la touche tir, c'est pas top. Non, peut-être dû penser à ça. Bombs Arky. Ouais, change pas grand chose. Ça ne change pas grand chose. Attention à ses ennemis, bien sûr. Ah, nice. J'ai pu me débarrasser de ça. Putain, maintenant c'est ma main droite qui déconne. D'habitude, c'était la gauche. Mom's Pearl. Peut être cool. Si on arrive à choper. Comment ça s'appelle cette connerie? La Mom's Purse, mais je crois que je l'ai déjà passée. Après, elle peut peut-être revenir. Enfin. Mais ouais, c'est... Vraiment du bon potentiel dans cette run. Oh mince, j'avais pas vu que...
Ah, quel... Je crois que j'avais jamais eu cette salle. Je m'attendais pas... Je m'attendais à ce que tous les pics se barrent, en fait. Mais non. C'était pas ça. Ah, mince. Je suis bourré. C'est pas le safety cap, ça, si? Super magnet. Wow! C'est quoi cette merde? Quelle est cette saloperie de trinket? Jamais vu ça. C'était pas cool. Bon, on sait que ce sera pas grid. Ouh, ouais, c'est un peu... Un peu tard, quoi, tu vois, on peut quand même... Wow! Piggy bank, je voulais pas ça, tant pis. Hive mind, nice! Ok, tous les trucs sont cool, en fait. PhD... Ouais... Ouais, tu peux être bien, aussi. Impress, ouais. Ouais, j'ai pas vraiment envie de me débarrasser de Book of Belial, quand même, hein. Je crois qu'il est affecté en plus pour mon damage multiplicateur, donc bon. Bon, je vais acheter cette carte, on sait jamais. Bon, Two of Diamonds, c'est un peu tard. Mais ouais, nos mouches maintenant font énormément de damage. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est vachement cool. Eh non, vraiment une très bonne. Très bonne combinaison pour le coup, là. Non, on n'a toujours pas eu notre item room, et sachant qu'on va avoir le choix maintenant entre deux objets, bien sûr, ça vaut carrément le coup, saloperie de salle. Non, bien sûr, attention à notre vie, malheureusement il n'y avait pas de cœur d'argent dans le shop, ça c'est pas terrible. Ça c'est vraiment pas cool, on aurait pu choper une infinité de vie limite, enfin bon, ça nous aurait fait rater les items, mais bon. Entre avoir masse de vie et de nouveaux items... Dans ce challenge, je pense que j'ai choisi la vie, hein. Ah, merde. Non. Je m'attendais pas à rater, là. Une batterie, ouais, c'est cool, mais... Parce que je veux... Oh. Hop. Oh, nice. C'est pas exactement passé comme je voulais, mais c'est passé. Bon. Bon, attention à eux. Il y a nos mouches qui nous aident énormément, encore plus maintenant, sachant qu'on a... Qu'on a Hive Mind. C'est plutôt génial. Nice. Chariot, hey, c'est mieux qu'Algiz, mais... Hein, quoique. C'est vrai que maintenant, on a le Ball on Chain, donc on peut rentrer dans les ennemis. Je testerais bien s'il y a un Crawl Space dans cette salle. On a eu une choix entre Aris et Ramming Speed. C'était pas top, je crois. Et l'obsessed fan follow me. Ah ouais, je crois que ça répète mes mouvements d'après ce que un de mes abonnés m'a dit. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Je sais pas si elle est affectée par les trucs de... Enfin, par Hive Mind, vu que c'est une mouche. Je ne sais pas. Mais comme j'ai dit, ouais, j'aimerais bien casser quelques trucs ici. Voir s'il n'y a pas un potentiel crawl space. Oui, j'ai bien vu qu'il y avait aussi une branche explosive, donc on va faire gaffe. Bon. J'ai trouvé le shop, donc j'ai plus vraiment de raison d'explorer plus que ça. À part pour peut-être... choper des pièces en plus, mais bon, ça gagne notre vie, me va pas du tout par contre. Hein. La vie là, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Malheureusement, j'ai pas eu Mom's Pearl, donc je peux pas prendre Mom's Pearl non plus. Ouais, c'est... Hey, je vais pas renoncer à mon petit familier. Ouais, pas évident. Pas évident. Allez, peut-être un Black Heart ici. Oh, nice. Bon, je pourrais peut-être prendre un Devil Deal, même si, bon, peu de chance que... Bon, si c'est Abaddon, c'est bien. Oula. Je l'aime pas ce boss. Wow, on a vraiment des tirs énormes, n'empêche, c'est assez cool. Attention. Wow, doucement. Pas se faire toucher. Oh, heureusement qu'il y a des ennemis partout du coup. Aïe aïe, je l'aime pas ce boss. Waouh, on a one shot là. On a one shot le dingle doré. Me troll pas toi. Waouh. Magiscab, pas de Devil Deal, mais c'est un HP. Ça nous permettrait de prendre un Devil Deal dans le niveau suivant, ce qui est cool. Ben, on survit maintenant. Ce qui est vraiment crucial, c'est de se faire toucher le moins possible. Hein. C'est extrêmement important. Pas cool ça. Pas cool. Ça va. Hop. Non, je m'attendais à ce qu'il y ait grid. Bon. Toi, je vais d'abord t'exploser avant d'appuyer sur les boutons. On sait jamais ce qu'il peut y avoir. Hein. En plus, ça augmente mes chances d'avoir un nouvel deal. Wow! Merci le boulet! Merci. Ça m'a empêché de me prendre des dégâts. Cool.
Je sais pas pourquoi vous faites ça. C'est vrai que dans cette salle, ils ont tendance à faire n'importe quoi. Bah, je me suis fait toucher, sérieux. Ah, une Joker Card. J'ai envie de garder Algis, donc je vais l'utiliser. J'ai pas le choix. Ah, Krampus. Non. Je me doutais qu'il allait finir par apparaître, lui. C'était à prévoir. Wow, c'est une mouche qui l'ont achevé. Nice, c'est Lump of Coal qui va être utile. Ah non, c'est pas mal tout ça. Hein. Le jeu nous aide, bien sûr. Ça fait toucher, ce qui est pas top. Oh. Et par contre, quand on... Ouais. J'ai vu ça quand on touche l'ennemi juste avec notre pouvoir de l'œil machin là, on fait pas autant de dégâts, ce qui est un peu con, mais bon. Bref, je vois que nos mouches quand même elles font des dégâts assez monstrueux hein. C'est vrai que... Ah oh nice, le fait de toucher les mecs invincibles ne me fait pas de dégâts, c'est plutôt cool. Je me demande si ça marche avec les tourelles aussi d'ailleurs, sans doute. Alors nos mouches sont vraiment vraiment puissantes hein. C'est pas... Waouh, depuis quand j'ai un Black Heart ici, moi? Je l'avais pas vu. Nice. Nice, nice, nice. Wow. Bon. C'est bien de tuer des ennemis, sans faire exprès. De les toucher sans faire exprès, c'est cool. Je sais pas d'où sortent les araignées, bref. Taurus peut être cool. Difficile comme choix. Je vous laisse, c'est pas évident. Taurus peut être cool, mais... Popula Duplex, ça va augmenter la... La taille, disons. Pas exactement la taille, je sais pas trop comment dire ça. L'épaisseur, la... La proportion, je parle de nos tirs. On va voir ça tout de suite. Ouais. Je sais pas trop comment ça marche. Putain, nos mouches achèvent tous les ennemis, c'est assez cool. C'est pratique, disons. Wow, waouh, c'est énorme. Bon, j'ai réussi à me faire toucher. Mais ouais, du coup, là, pour rater des ennemis, j'avoue, faut le faire, hein. Bon, je l'ai fait parce que j'ai tiré n'importe où, mais... Mais sinon, ouais, c'est vachement, vachement cool. J'ai assez de thunes pour m'acheter un objet de Devil... De Devil, n'importe quoi. De shop. Acheter deux cœurs d'argent, hein, si possible. Eh, du coup, c'est pas dégueu. Voilà, on a vraiment une range de... Enfin, une range. Voilà, c'est complètement abusé avec ce challenge, ça. C'est génial. C'est génial. Là, pour louper les ennemis, il faut le faire. Et du coup, là, je le sens bien. Bah au moins, genre se faire toucher bien sûr, mais le fait de perdre des dégâts à cause de notre, à cause du challenge lui-même est plus faible et malheureusement toujours pas de cœur d'argent, hein, c'est dommage. Car batterie, double charge, ah mais je le veux ça. Je veux cet item. N'oublions pas, attention. Oh fuck cette salle, j'ai pas que ça à foutre. C'est vrai que par contre, il y a la... Bon, j'ai perdu une bombe pour rien, c'est pas très grave. J'ai perdu deux bombes pour rien même, mais bon, tant pis. Ça arrive. Et du coup, est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose? Non, je pense pas. Je peux peut-être choper plus de pièces en détruisant ce truc. Fait que j'aimerais bien avoir les choix pour les... Ah bah non, je peux pas en fait, à part si je me prends des dégâts, j'en ai aucune envie. Bon. Il est maintenant 20h30. Merci Canadien, je sais pas pourquoi, je me dis, tiens, je vais peut-être pouvoir faire un pont par-dessus les pics, mais ça n'a aucun sens, bref. bref, du coup c'est un peu dommage, je peux pas prendre le truc qui me donne plus de choix au niveau des boss items, mais bon. Ah, on est déjà à Mom, je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi loin, tiens. Ah non, non, c'est pas mal. Bon, par contre bien sûr, ne nous faisons pas toucher. Faisons gaffe. Faisons bien, bien gaffe. Alors, on doit aller à Isaac, donc bon, bien sûr, Polaroid, hein, et surtout si on arrive à... Bon, ça peut pas être Krampus, donc j'aurais pas dû faire ça, mais bon. Ah bah, je suis con, c'est vrai que je l'ai déjà eu. Mais ouais, je préfère garder Algis, bien sûr. Eh ouais, on se débrouille vraiment bien. Bon, bref, faisons quand même attention. Eh, nos mouches qui font un boulot génial, hein. Vraiment génial. Secret room est là, ça peut être grid, donc chargeons un tir. Eh, c'est super grid même. Nos mouches finissent par l'achever. Pas de shop ici, malheureusement. Bon, on va aller par là. Oh, ouais, non, on va aller par là, du coup. Ah, tiens, ça a pas marché dans cette salle, bizarre. Ah, pas cool. C'est vrai que nos mouches, parfois, peuvent nous créer problème. Faire attention à ça.
Nice. Hermit card, sans doute pas de shop. Je préfère ne pas me faire téléporter n'importe où. Hein. Bien sûr, faire gaffe à notre vie, on en a vraiment pas beaucoup, donc c'est risqué, quoi. Oh. Apparemment, on nous mouche les one-shot, donc autant laisser la mouche s'en occuper. Voilà. Oh, et un petit cœur d'argent gratuit. Merci. C'est plaisir. Plaisir, c'est plaisir. Bon, ça doit être sans doute par là, du coup. Oh, sérieux. Bon, Lust. Laissons nos deux mouches s'en charger, du coup. On en a deux. Ouais, Make you small, pourquoi pas. Tinted Rock, non. Très peu de Tinted Rock dans cette partie. Bon. J'avais pas vu que la super secret était tout là-haut, donc le boss est sans doute dans cette direction également. Effectivement. Effectivement, effectivement. Bon, bah, maintenant, il y a manière, on doit aller dans cette direction, hein. Ouais, c'est... Waouh, c'est risqué, ça. La mouche, charge-toi de lui, s'il te plaît. Non. Laissons cette mouche s'en occuper. Bon, bien pas, il faut tirer pour que nos mouches bougent, sinon ça marche pas, c'est vrai. Ah, qu'est-ce que c'est fait? Non. Allez, toi. Oh, nice, c'est notre petit... Ah, c'est vrai que sachant qu'on a... C'est plutôt cool, ça. Sachant qu'on a... J'ai déjà oublié le nom, c'est cool. Chocolate Milk, ouais, les ennemis comme ça ne tirent pas lorsqu'on reste appuyé. Ouh, nice, un petit cœur d'argent, ça fait toujours plaisir. Pas pourquoi j'ai envie d'aller par là, parce que bah, j'aime bien faire les petites salles, même si c'est con, et je vais sans doute me prendre des dégâts, même pas, waouh, c'était c'était limite. Bon. Ok, 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 oh, je déteste ces salles. Oh, genre, tu m'as eu. Bon, j'ai failli tirer, donc heureusement, heureusement ça a pas marché, je sais pas pourquoi. Je déteste ces ennemis. Infested. Bon. Bon, bon, bon. Continuons. Bombe pour des clés, sachant que j'ai plus qu'une bombe, ça vaut pas le coup. Ah bah, c'est pas par là. Attention à nos mouches qui peuvent les tuer, hein, voilà. Là, c'est limite mieux de ne pas tirer si possible. Hein. On a plus de chances de tuer les ennemis, ce qui est assez marrant. C'est par là, mais sachant qu'on a une... Enfin, on a vraiment une combinaison géniale, hein, c'est vraiment cool. J'ai oublié le nom de l'item, mais... Bon, je vais quand même check la super secret, on sait jamais, hein, ça peut être pas mal. Bon, laissons les mouches s'occuper d'eux, pourquoi pas. Ou bien un autre machin, là. Ouais, attends, donc on y est. Bon, vous devriez pas poser trop de soucis. Allez, la mouche, occupe-toi-en. C'est qu'on a vraiment un très bon damage, je m'attendais pas à... Bon, je vais pas crier victoire tout de suite, mais bon. Je m'attendais pas à avoir une si bonne partie du premier coup. Bon, j'avoue, je suis mort tout à l'heure, donc bon. C'était pas ma première partie, mais c'était ma deuxième, donc bon, c'est quand même assez ouf. Hein. Allez, du coup, c'est parti pour le boss. Qui es-tu, Conquest? Bon, malheureusement, il va pas me donner de Cube of Meat. Le pony, ouais, non, j'en veux pas. Pas de secret... Ah, si, une Tinted Rock. Ah bah, j'ai plus de bombe, je m'en fous. J'ai mon boulet. J'arrive à l'utiliser correctement. Da-da-da, allez, presque. Attention à ne pas le balancer sur la bombe explosive, hein, encore. Hermite, bon, ça valait pas le coup, mais j'utilise mon boulet, donc on s'en fout. Est-ce que je l'ai pris? Bon, c'est ça que ça sert à grand chose, mais bon. Bref, du coup, allez, passons au niveau suivant. Book of Belial, toujours utile, donc bon. Ok, 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 ça se passe bien. Je me souviens plus, est-ce que... Ouais, on a toujours notre cœur rouge, ce serait bien de pouvoir s'en débarrasser, si possible. Wow, doucement avec ça, ça aurait pu causer des petits soucis. Wow, beaucoup d'ennemis ici. Wow, attention, attention. Ouais, ça peut être dangereux tout ça. Ça peut être dangereux. Attention, attends, wow. J'ai pas à croire que je me suis pas fait toucher là. Bon, doucement, doucement. Ah ouais, c'était violent. Eh, le boulet est notre ennemi dans cette salle, hein, c'est clair. Wow. Oh, ok. Je m'attendais pas à un cœur d'argent ici, c'est clair. Non. J'ai eu de la chance pour le coup. Attention au boulet, le boulet n'est pas notre ami. Pour le coup, il ne l'est pas. Attention à nos tirs. What? Bon, on va voir si je peux accéder à la secret room d'un autre côté. Ouais, nice. Ok, ok. Non, c'est cool, c'est cool. Je reste quand même bien vigilant parce que, voilà quoi, c'est pas évident. Est-ce que par hasard, je pourrais... Je sais pas si c'est faisable. Balancer le boulet de ce côté pour... Nice! Parfait! Nice, nice, c'était vraiment bien joué ça pour le coup. Comme ça, j'ai des bombes. Eh non, très bien. Très bel ouvrage.
Bon, batterie, c'est pas terrible. Je peux augmenter un petit peu mes chances d'avoir un Devil Deal, si je le souhaite. Je vais le faire, on sait jamais. Hein. Ça peut nous permettre de nous débarrasser de notre cœur rouge, ça peut être pas mal. Surtout si on chope un bon item en plus. Hein. Toujours sympa. Mais ouais, n'empêche, Rotten Baby nous aide énormément. The World, on va l'utiliser tout de suite, parce que, comme je le dis, je préfère garder mon Algis Rune. Surtout pour Isaac. Mais ouais, cette run, je suis vraiment content. Hein. Je m'attendais vraiment pas à y arriver aujourd'hui. Bref, bien sûr, comme je l'ai dit, ne crions pas victoire trop vite. Hein. Mais c'est quand même vachement bien parti, c'est évident. Cette salle est assez vicieuse, donc restons... Hop, ça va, notre mouche n'est pas plus rapide que nous, normalement, donc au moins... Bon, ça va, on a le temps de choisir si on tire ou pas. Attention, wow. Celle assez dangereuse, et qui peuvent se barrer, donc je peux me faire toucher par mes tirs, du coup. Même si on a une étendue énorme pour toucher nos ennemis, hein. C'est plutôt ouf. Ah non, c'est vraiment dingue. Bon, The Star, ça peut être une téléporte, mais non, merci. Trop risqué. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Bon, c'est pas très... On perd juste du temps, celui de rester vigilant. Oh là, par contre, là, c'est la Mom's Hand bien hardcore. Ne pas rester en diagonale, c'est ça ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse, voilà. Wow, doucement. Oh, mince! What? Non, les tirs sont passés à travers les murs, c'était bizarre. Nice, on l'a eu. What? Gros bullshit. Énorme bullshit. Intérêt à être génial, la super secrète. Bon, toi, peut être intéressant, mais... Je pourrais utiliser Algis. Ah, vous savez quoi? Je peux récupérer des cœurs d'argent alors que j'ai zéro de luck, c'est plutôt cool. En cœur skull, surtout pas. Hein. Toi, tu peux être pas mal, mais bon. Wiggle Worm, non merci. Flatworm. Non. Dis pas, ça va augmenter encore plus mon truc. Il faut que je teste ça, du coup. Un autre cœur d'argent, nice. Ah, mais il y a moyen en plus que ça augmente encore plus la taille de mou. Je sais pas, la largeur, voilà, attends, c'était pas compliqué, largeur. La largeur de mes tirs. La credit card, ça pourrait me permettre de prendre un Devil Deal gratuitement. A voir. A voir. Eh non, il y a des trucs de fou qui se passent dans cette run, hein, c'est dingue. Du coup, bien sûr, n'oublions pas de récupérer Algis après. Bon, c'est peut-être sympa ça, mais... Eh non, mais... C'est vraiment ouf. Je me demande si ça marche vraiment, Flatworm, plus l'autre truc, là, donc je me souviens plus là du nom. Justice, pourquoi pas, hein. Ça aurait pu être une troll bombe, donc pas top. Parce que vous voyez la tête, j'en ai plus tellement besoin que ça. Sachant que j'ai les mouches qui sont vraiment plus performantes. Eh non, c'est assez ouf. Bon, c'est un compas bizarre. Follow the cat, tiens. Des nouveaux trucs, hein, j'avais pas remarqué. Et tout ça pour des bombes, ouais, j'ai pu récupérer des cœurs d'argent, donc c'est pas trop dégueu. Et ouais, le Flatworm, on va voir ce que ça donne, ça peut être assez drôle, à mon avis. Attention à cette salle. Hop, on est assez rapide pour la faire. Non, je veux voir ce que ça donne. Moi, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Ah, j'ai limite l'impression que ça nous nuit, en fait. Ouais, effectivement, j'ai l'impression que ça baisse notre portée bizarrement, donc ouais, je vais revenir avec ça. Enfin, je vais récupérer quoi d'ailleurs? Ça peut être sympa ça, mais je crois qu'il faut être un demi-cœur, ce qui n'est pas gagné. La tête, franchement, j'en ai plus besoin. Burger chip is double down. Je sais pas ce que ça fait ça. Bon, regarde, on va le prendre. Hein. On va le prendre. Et bah, du coup, ouais, le Lucky Tom me donnait un peu de luck, mais bon. Vraiment ce qu'on voit ou ce qu'on cherche à avoir. Ah, c'était con ça. C'était con. Lovers, c'est pas vraiment utile. Bien sûr, on a la credit card. Si on a le Devil Deal. Wow, notre boulet vient de faire un truc super chelou. Et notre mouche aussi. J'ai pas vraiment compris ce qui vient de se passer, mais bon. Ok, ben. Maintenant. Wow, c'est peut-être mon pouvoir en fait. Ça peut être ça, ouais. C'est peut-être mon compas bizarre. Ouais, par contre. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer, sérieux, et j'ai pas eu de Devil Deal. C'est assez dommage. J'ai vraiment pas capté ce qui s'est passé. C'était étrange. Bon.
Bah du coup, je récupère Algis, bien sûr. On a besoin... je voulais pas le Flatworm. Hop, voilà. Voilà. Hop là. Et du coup... Attends, j'avais pas une carte. Algis... Attends, j'ai un gros doute. Désolé pour la tente, là, mais... J'ai vu un truc étrange. Ah oui, bref. Fatigue. fatigue. Bon. Allez, on peut le faire. Restons bien sûr vigilants. C'est toujours pas gagné, hein, mais... Si on joue bien, ça devrait le faire. Bien sûr, on peut pas aller autre part que dans la cathédrale. Ah là là. Bon. On a la blue map, donc on sait que la super secret est par là, donc... On a potentiellement le chemin... Oh, cette salle est horrible. Je vais la passer si possible. Parce qu'elle est vraiment immonde. J'espère qu'on a choisi le bon chemin. J'ai que deux bombes, donc... Wow. Faut me faire toucher. Gardons le plus de vie possible, bien sûr. Ouais, du coup, fuck la secret room, hein. Ça vaut vraiment pas le coup. Je vais quand même prendre la charge, on sait jamais. Allez, avec un peu de chance, c'est par là. Oh, pas cool. Pas cool. Faisons gaffe, bien sûr. Oula. Toujours bizarre quand je balance mes petits tirs comme ça, c'est étrange. Hop. Golden Key, bon. Pas super utile, je pense, mais... Ok. Ce serait cool, vraiment cool que le boss soit... Oh, sérieux. Oh, je me suis pas fait toucher, what? Pas compris. Ok, super secret ici. Allez, aide-moi. Blackheart, je considère ça comme une bonne aide. Effectivement. Et nice, le boss est là, c'est trop cool. C'est trop cool. Hop. Faisons... Restons attentifs, vigilants, bref. Nice. Et du coup, on a trouvé super vite le boss, c'est génial. Ok, du coup, Book of Belial, Algis, j'ai dit. Et maintenant, je peux spammer mes tirs comme un grand malade. Et du coup, ouais. Ah non, même si je me... Ouais, ok. Même si j'ai le bouclier, si je tire à côté, ça passe pas. Bon à savoir. Donc restons vigilants. Et je pense que ça va le faire, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il était invisible pendant une seconde. Et yes, on l'a eu. On a eu le challenge. Yes. Wouhou! On a débloqué Kidney Stone, je sais absolument pas ce que c'est, mais c'est génial, on a réussi ce challenge, je m'attendais pas à y arriver aujourd'hui, c'est plutôt génial, c'est génial, je suis super content. On a réussi Onan Strike, youhou! Super run, bon, pas mal d'avantages, hein, surtout ce pouvoir que je citerai dans le nom du challenge, sans doute. C'était génial. Super partie. J'ai aussi quand même un minimum bien joué, hein, pour pas trop tirer à côté. Durant surtout la première partie du jeu, où c'était quand même difficile, hein, mais je suis content. C'était génial. Bon. C'était Merlin Boss pour le 60e épisode d'Afterbirth. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde. Mouahahaha.